Bonsoir. Dans une heure, tâche ardue, choisir les jurés au procès du chef présumé des Hells, Maurice Boucher. On doit en choisir 12, déjà 7 qui ont été sélectionnés. Et dernier hommage à Montréal au peintre Jean-Paul Riopel, à plus tard. Une fois, c'est un W. À Comicographie cette semaine, Patrice Lécuyer se prononce sur Jean-Michel Anctil. Jean-Michel a essayé toutes les diètes inimaginables, Montignac, les diètes protéiniques. La seule chose qu'il a jamais essayé, c'est d'arrêter de manger comme un cochon. Mario Jean raconte. Jean-Michel, je l'ai vu jouer au hockey, là, il y a un très beau style papillon. Ouais. Pour un ailier gauche, pas très pratique, là. Martin Matt nous livre un secret. Moi, Jean-Michel, au début, je le connaissais pas trop, puis je pensais qu'il s'habillait en femme, comme, pour ses shows, tu sais, juste pour ses personnages, t'sais. Et Peter McLeod réagit. Alors, Jean-Michel, c'est un gars qui a du super beau linge. Le problème, c'est qu'il ne met pas. Bonsoir et bienvenue à Comicographie. Merci, Gisèle. Ce soir, on rencontre Jean-Michel Anctil, un gars qui fait des motésus de beaux personnages. Il fait aussi la split, mais ça, on en parlera plus tard. Mais avant toute chose, regardons un court reportage sur sa vie. Jean-Michel est né à Québec lors d'une grande sécheresse. C'est pourquoi il fut baptisé avec de la vinaigrette à salade. Les Anctil étaient tellement pauvres que même leur Père Noël faisait pitié. Déjà citoyen modèle, Jean-Michel applique la loi anti-tabac 30 ans avant qu'elle soit votée. Pressé de percer dans le showbiz, il crée Préchilia dès l'âge de 6 ans. Jean-Michel était très drôle dans les parties. Malheureusement, son père préférait filmer les cuisses des matantes. Amoureux des animaux, il rêve de devenir serveur dans un buffet chinois. L'adolescence se passe bien pour Jean-Michel, mis à part un léger problème d'acné. Imaginatif, il joue de la guitare dans l'espoir de faire décoller l'affreuse tapisserie de la cave. Jean-Michel a toujours aimé la baignade et le hockey. C'est pourquoi il joue au golf les pieds dans l'eau. Populaire auprès des filles, il quitte le célibat pour s'accoter avec une grosse mascotte en poils. Son meilleur chum en profite pour lui offrir ce ridicule bol à punch. Devenu vedette, il décroche une pub pour Benetton, avec deux nobody. Oui, Jean-Michel Anctil, un humoriste qui marche tout droit vers le succès. En 1993, Jean-Michel crée son premier personnage et fait un hit avec son petit Maxime. Non, pas Maxime, toi et l'autre. Toi, retourne dans ta position fœtale. Maxime, en fait, c'est le genre d'enfant que tous les parents rêvent d'avoir pour y botter le cul. Mais lui, mon père, là, il file pas ces temps-ci parce qu'il va à l'école. Oui! Sa maîtresse s'arrête pas de plus chez nous. Mais je pense qu'il est pas très bon parce qu'il voulait pas que je dise à ma mère que sa maîtresse a appelé. Je l'ai dit. C'est pour ça qu'il chicane, là. Là, après chicane, ils vont faire comme d'habitude, ils vont m'envoyer me faire garder chez ma grand-mère. Mais j'aime pas ça, aller là, parce que ça sent quelque chose qui pue. Oui, ça pue. Moi, je pense que c'est elle. Puis en plus, t'es malade. Elle a la maladie du parking qui sonne. Oui! Ma mère l'a dit, le parking qui sonne, elle a plein de tremblements de tête. On sait pas si elle dit oui, non ou peut-être. Puis quand elle nous embrasse, elle nous beurre toute la face du rouge à lèvres. Hein? Mais elle a déjà trouvé ça dur, sa maladie. Elle a essayé que ça que tu suicidais. Elle a voulu que tu te ringues balle dans la tête, mais elle a manqué son coup. Elle a tué sa perruche, son chat, puis mon oncle qui flattait le chat. Vous avez remarqué que Maxime, il manque des dents. C'est parce qu'il est tellement tannant que la fée des dents, il a pété la gueule. Et Maxime! C'est pas difficile de faire un personnage d'enfant quand t'as 3 ans d'âge mental. En 1994, Jean-Michel crée son personnage de Priscilla et est nommé Découverte du Festival. Quand je fais Priscilla, je rentre tellement dans la peau du personnage de femme que des fois j'ai de la misère à avoir un raisonnement logique. Puis des fois je me sens pas fraîche. Messieurs, est-ce que vous trouvez belle une femme enceinte? Oui! Gagne de menteur! Maudit gagne d'hypocrite! Maudit gagne d'homme! Vous êtes bien toutes pareilles! Vous savez pas par quoi on passe, nous, les femmes enceintes!
À manger de même, je passe nulle part, moi! Je suis resté pris 3 heures dans le tourniquet du métro! Puis je peux plus mettre de costume de bain! J'ai de l'air d'un cornet 3 boules qui font soleil! Les hommes, ils nous comprennent pas, nous, les femmes. Ils disent qu'on est stressé pour rien. Mais on se pose des questions. D'un coup, qu'il manque un orteil. D'un coup, qu'il est comme son père, puis qu'il n'y a pas de tête. Puis le père, on n'en parle pas du père. Il m'a abandonné. Des tickets à soir. Il fraîche. Il a peur que sa femme apprenne tout. Madame, regardez l'homme qui est assis à côté de vous. Mais dites-vous que cet homme-là, là, c'est un coquille! Je le sais qu'il y a un homme qui est prêt à être le père de mon fils. Il est ici. La meilleure façon de le savoir, c'est d'aller le chercher. Ça s'assoit d'un 5e rangée pis pense qu'on y verra pas. Coucou! Venez avec moi, monsieur. Votre nom, c'est... Pierre. Pierre qui? Oh mon Dieu, le maire, j'ai pogné le jackpot! Monsieur le maire, j'aimerais que vous soyez père. Pour savoir si vous seriez un bon père, si vous seriez capable de m'aimer, j'ai un petit service à vous demander. J'aimerais savoir un petit baiser sur la joue ici. Attendez une minute. Juste ici. Vache, c'est disgusting, comme on dit. Et à part Pierre Bourque, y en a-tu d'autres qui ont couché que Priscilla? Ma petite boisson. Ben moi, je la trouve pas si pire que ça. Moi, t'avouer de quoi, là? Quand je l'ai fait sur le coup, là, j'ai pas eu ça. Peut-être que Peter McLeod l'a fait, mais lui, c'est pas grave, il a été vacciné. Bon, quand t'es sous, tu perds le nord, mais quand t'es sous Priscilla, tu perds le souffle. Après la pause, ça allait niaiser, mais je sais pas ce qui s'en vient. Mais faites-nous confiance, ça va être super bon. Au pire, ben, vous serez fait fourrer, c'est tout. L'Auto-Québec est fier d'appuyer les artistes de la rue et d'offrir au grand public du festival Juste pour rire une occasion de rire pour rien. Les arts de la rue, l'Auto-Québec. Juste pour vous divertir. Hey, crois pas tout ce que tu vois. We'll be right back.
voici un internaute ordinaire. Et voici un internaute Rapidus. Passez en mode propulsion avec l'accès Internet Rapidus de Cogeco jusqu'à 50 fois plus rapide. Cogeco, propulseur de données. En mouvement, l'ensemble y est. Ensemble, toi et moi, on aime bien. L'ensemble y est. Ce printemps, l'ensemble vous offre manteau pour homme, 54,99. Manteau pour femme, 54,99. En mouvement, vers le style et la mode. En mouvement, pour elle et lui, l'ensemble y est. Comparée ayant pour titre Comicographie. Saviez-vous que Jean-Michel est un excellent joueur d'impro? Ouais, vois-toi, Giotto, pour travailler comme ça, là. Moi, il t'en faisait pendant nettoyant toutes les affaires en un, là. Et parlant de voler, moi, je pas mal les affaires en garde pas. Mais couche-couche, il est en train d'essayer de voler ta femme. Mais si toi, restes l'autre côté de la rue, moi, pas oublier toi. Vois, quoi, coin de l'ail, parce qu'à moi, coin de l'ail développé. Moi, j'ai longtemps fait de l'impro, puis Jean-Michel, c'est vraiment un bon improvisateur. Il est vite, il est très brillant, c'est... Ben pour un humoriste, là. Mais moi, personnellement, j'aime mieux voir Jean-Michel en impro que dans son spectacle. Parce que dans son show, quand il lance des claques, là, il te met dehors. En impro, je m'en suis toujours très bien sorti. Il y a une place où je n'ai arraché, c'est ma première entrevue entre deux périodes. Jean-Michel Anctil, pensez-vous récidiver cette année pour le titre de joueur de l'année? Bon, je pense que c'est pas mon but premier. Le but premier, c'est d'essayer de faire de l'équipe des cœurs un tout pour que le jeu soit vraiment à son sommet lorsque l'équipe des cœurs va embarquer sur l'improvisoire. Alors, le moral est au plus haut? Le moral est au plus haut, puis il est toujours à la hausse. Et dans cette même ordre d'idée, que nous prévoyez-vous pour la troisième? Ça serait un peu révéler des tactiques qui sont très, très secrètes, qui sont gardées secret d'État. Et je peux vous promettre que le public va lever sur le siège durant une improvisation, c'est très sûr. De retour à la passerelle pour la suite de ce match d'improvisation de la Ligue universitaire d'improvisation de l'Université Laval. En 1995, Priscilla participe au parlementerie au grand déplaisir de Michel Barrette. En tant que critique du harcèlement sexuel et des maladies de femmes, j'aimerais savoir de la part du ministre Barrette. Comment ça se fait qu'il ne retourne plus mes appels? Ça veut-tu dire que c'est fini, ça? Tu veux plus rien savoir? Réponds, en vrai? Qu'est-ce que t'as pas sur ton bureau? S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. C'est pas monsieur, c'est madame. Monsieur, dame. Et la question est de savoir, est-ce que le gouvernement a l'intention de faire quelque chose pour les femmes qui travaillent à la maison? C'est un travail qui mérite d'être énuméré, ça. On fait pas juste passer nos journées à écouter la TV en mangeant des chips et du chocolat. J'ai des jujubes aussi. C'est un travail de sa grosse part de stress. Vous pouvez pas savoir le stress qu'une mère a quand elle va chercher son enfant à la garderie puis quand elle revient à la maison, elle s'aperçoit qu'elle a ramené un habit de skidou vide. Puis la femme, vous voyez, peut pas compter sur l'aide de l'homme. Ils sont tous pareils. Tu lui demandes d'aller badigeonner à dinde, tu t'aperçois 15 minutes après qu'ils sont en train de huiler la voisine qui se fait bronzer. Suite à ces accusations, Michel Barrette se défend. C'est vraiment pas comme ça que ça s'est passé. Excuse-moi, Michel. Est-ce que tu pourrais mettre un petit peu de crème, s'il te plaît? Je suis désolé, c'est parce qu'il faut que je badigeonne ma dinde. C'est le temps d'une dinde, dinde, dinde. Michel Barrette, viens-t'en ici!
c'est le temps de l'autre dinde, dinde, dinde. Convaincant, hein? Ben laissez-moi vous dire que ça n'a pas été facile de faire cette reconstitution-là. Excuse-moi, Michel, est-ce que tu pourrais mettre un petit peu de crème, s'il te plaît? Ah, ben, il n'y a pas de problème. Écoute, on... Mais non, parce que faut que tu dises non. Ah non, non. Je vais la refaire, OK? Est-ce que tu pourrais me crémer un petit peu, s'il te plaît? Ah ben, avec plaisir. Écoute, on peut peut-être... Coupé! Est-ce que tu pourrais me crémer un petit peu? Avec plaisir, écoute. Coupé! Voyons, c'est pas compliqué. Faut que tu dises non, là. Ah, c'est pas évident, va donc dire non. Je veux dire, c'est quand même non, non. Parfait. Moi, je changerais le scénario. Jean-Michel Anquetil, c'est pas juste un comique. Oh que non! C'est un homme qui s'implique dans la communauté. J'offre mes services pour faire des mammographies gratuitement. OK. J'essaie de battre un record de faire le plus de mammographies sur la rue. Non, ça va, merci. Non, j'ai pas de machine pour faire des mammographies, mais j'ai décidé de prendre mes mains. Là, ce qui me manque, c'est un sein. Juste à déposer l'objet entre les deux, puis je vais te dire s'il y a un cancer prévu ou non. C'est comme, dans le fond, c'est comme quand tu travailles sur le barbecue, tu fais des boulettes de steak haché et d'hamburger. C'est comme la plaque, mets ton sein entre les deux, puis je teste. Ça n'est pas grand-chose. Oui, mais c'est pas grave, ça va, il va te le dire tout de suite si c'est un danger de cancer ou non. Marie. OK. Mais voyons, Marie! Il n'y a pas de cancer en vue. Jean-Michel a demandé à 340 filles de leur pogner les seins. Là-dessus, il a reçu 116 tapes sur la gueule. Il a fait rire de lui 94 fois, puis la dernière a dit oui. C'est là que lui, il a un tonton. En 1998, Priscilla vire le sein de Denis à l'envers en duo avec Peter McLeod. Tu sais, Priscilla, c'est une femme qui choisit ses hommes au hasard. On peut appeler ça de l'intuition féminine. Mais quand le gars dit non... Ça, on peut appeler ça d'intuition masculine. Bon, je m'en vais, moi. Faut que j'aille. Ah, ben, vous êtes bien toutes pareilles, les hommes. Aussitôt vous avez consommé, vous sacrez votre camp. Coudon, on est-tu du fast-food pour vous autres? Si c'est ça, on va donc baiser Ronald McDonald. Au point que je suis rendu là, là. Tu veux dire que pour toi, moi, j'étais juste sexuel? Non, accidentel. T'es drôle. Tu me fais assez penser à un gars que je connais. Toi aussi. Mais oui, mais Peter, faut que tu comprennes que moi, ça fait tellement longtemps que j'ai pas eu d'homme dans ma vie. J'ai pas mes lents, je vais au comptoir pique-nique, puis je viens les yeux pleins d'eau en regardant tourner sur ses âges. Fait que t'as tu t'en trouveras pas d'autres femmes comme moi. J'espère. Non, Peter. T'aurais dû me pitcher en bas aussi. Pis deux, t'as trouvé mon point G! Ben, gros de mer! T'es pas mon genre de fan, t'es trop. Ah, c'est ça? T'aimes mieux les petites anorexiques? Ben là, c'est parce qu'il y a un milieu entre les deux. Une petite brassière qui remonte toute, et on sent ses joues. On dirait une écureuil qui fait des provisions pour l'hiver. C'est mieux qu'une montgolfière. T'es pas mon genre de femme sexuellement. Mais oui, mais je suis pas contorsionniste, moi, Chris. C'est pas une femme que ça te prend, c'est un slinky. Vous êtes bien toutes pareilles, les animaux. Vous pensez avec ce que vous avez entre les deux jambes. Puis avec ce que j'ai vu hier soir, tu dois pas penser fort. Grosse frustrée! Non, je suis pas frustrée, j'ai besoin d'un homme. Tu veux que tu comprennes ça? C'est pas mêlant, sur mon permis de conduire, dans le corps sexe, on t'avait d'écrire, s'il vous plaît. Redécris tout ça. Vous êtes toutes pareilles. Les hommes, vous êtes comme des fleurs. Vous communiquez pas, vous vous fanez vite, puis des fois, ça débite. Je ne savais pas, celle-là. Je voulais te surprendre. C'est quoi que ça va te dire, non? Si tu veux savoir,
soir, hier soir, j'ai même pas joué. J'ai bandé. Oui, monsieur, on le fait tout spontanément, à la table, durant le souper. Mais je pense que les gens du restaurant ont pas aimé ça, par exemple. Je veux juste te dire une chose, Pito, c'est que je me rends compte d'une chose. Quoi? C'est que ça peut pas marcher entre nous deux. Pourquoi? Ben moi, je suis un taureau, pis toi, t'es un trou de cul! Tu sais, souvent, les hommes vont donner de la tendresse pour avoir du sexe, tandis que la femme, elle, va donner du sexe pour avoir de la tendresse. Mais je sais pas qu'est-ce que je donnerais à Priscilla pour qu'elle me crisse la paix. C'est drôle que Priscilla court après tout ce qui porte des culottes, pis première chose qu'elle fait quand elle en a poigné un, elle essaie d'y enlever. Finalement, j'ai dit oui, c'est pas bien. Mais je pense que je vais les envoyer à l'insectarium. Je l'ai tué. Après la pause, Jean-Michel nous parle de son passage à David Letterman. C'était pas Letterman, c'était les fils à papa. Un homme a le droit de se tromper. Qui êtes-vous donc pour me juger? L'Auto-Québec est fier d'appuyer les artistes de la rue et d'offrir au grand public du festival Juste pour rire une occasion de rire pour rien. Divertir. Toutes les femmes veulent la crème miracle. Pour moi, c'est ma coloration. Le nouveau Excellence Crème de L'Oréal. Ma crème qui ne coule pas est améliorée. Elle protège mes cheveux en tout temps, pendant et entre les colorations, avec deux fois plus de revitalisant. Alors quand je colore mes cheveux, ils sont éclatants de santé, superbes. Nouveau Excellence Crème, une couleur magnifique, sans cheveux gris. Croyez-moi, c'est la crème miracle. Nouveau Excellence Crème de L'Oréal. La crème colorante qui protège en tout temps, parce que vous le valez bien. Ils ont le tour d'être charmants quand ils viennent au monde, mais faut tout leur montrer. Prenez Charmin Ultra, par exemple. C'est un doux simili-tissu plus absorbant que les trucs ordinaires. Ainsi, toute la famille se retrouve agréablement nette. Y a pas de cachette pour être agréablement nette. Cha-cha-cha, Charmin. J'ai jamais vu ça de la neige de même, moi. Steve! Ça, c'est de la tempête. Pourtant, il faisait beau à Montréal, me semble. Steve! Ouais, ben, c'est peut-être bien bon pour la planche, là, mais... Je suis sûr qu'on va se rendre. Steve! Arrête de suivre la soudeuse! Quand c'est coque, c'est coque. Ambiance décontractée, clientèle authentique. Le Saint-Tube, le resto-bar des rotisseries Saint-Hubert, la vérité sort. Le bonjour on day. L'économique accent est à seulement $165 par mois. Zéro comptant, zéro dépôt de sécurité, transport et préparation inclus. Le bonjour on day. Et l'Elantra à $199 par mois surprendra les plus exigeants. Le bonjour on day. C'est le temps de l'encan TV Oasis. Pour participer, découper et collectionner les dollars collection Oasis sur les emballages, on demande les contenants des 5 saveurs Oasis collection premium 1, 2, 3, 4, 5 saveurs. C'est le temps de sortir vos dollars collection Oasis pour miser sur l'article de la semaine. Voulez-vous un robot culinaire? Pourquoi pas un robot Proctor sans Alex à 4 vitesses? On vous dit 9 tasses de capacité. C'est facile d'entretien avec l'arme à l'acier inoxydable. Faites vos mises maintenant pour remporter cet article en appelant le 1-900-870-4666. Notez bien le 1-900-870-4666 ou par Internet. Oui, Internet, c'est bon. L'encan TVA Oasis, une fois, deux fois, trois fois, adjugé. Encore des fleurs pour madame? Encore des fleurs? Comment ça, encore? Je reçois presque tous les jours maintenant. À cause du poussin. Mon chien est mort. Mon Dieu, c'est un fou. J'ai peur, Luc. Les parfaits. Ce mardi, 19h à TVA. C'est moi!
Saviez-vous que Jean-Michel a adopté une petite chinoise? C'est ma fille Laurie. Elle a 3 ans. C'est un petit trésor. C'est notre trésor. Avant d'adopter, j'ai passé un spermogramme. C'est un test qui m'a traumatisé. Tellement que j'en ai fait un numéro. Là, j'arrive devant l'infirmière de la clinique externe. Je lui dis que je viens pour un spermogramme. Elle me regarde avec son air de bœuf. Elle me sort la bouteille. Rempichez-moi ça, puis vous me la ramenez. Pleine! Hey, parce que je suis seul, moi, là, là! Finalement, j'ai rapporté le petit pot à l'infirmière. Pas trop sûr de moi. Une crise, j'aurais dû rajouter de l'eau. Finalement, le médecin m'a dit que j'étais infertile, mais... Je le savais que Jean-Michel était impuissant, je t'assure. Mais ça m'étonne pas, parce que Jean-Michel, là, c'est pas viril, viril. Si sa blonde est mal prise, je peux toujours le dépanner, hein? Je pense qu'elle aime ça, les grassouillets. S'il y a vraiment un problème, je peux y en prêter. Je vais aller dans le Saint-Gallon aussi. Au Québec, un homme sur 30 a des problèmes d'infertilité, un homme sur 17 a des problèmes d'éjaculation précoce, puis un homme sur 3 a des problèmes érectiles. Pauvre Jean-Michel, il est pas chanceux. Un homme, 5 millions, a tous des problèmes en même temps. Santé. Hey, les tweets, j'ai dit infertile, pas impuissant. C'est pas parce que j'ai pas passé de test, là. Infertile, impuissant, écoutons un spécialiste expliquer le problème. Si Jean-Michel ne peut pas avoir d'enfant, c'est parce que ses spermatozoïdes sont atteints d'andré-momorantisme. Regardez bien ce qui suit. L'homosexualité chez les spermatozoïdes est un cas très rare. On peut compter un individu sur 10 millions qui en est atteint. Oh, mon Dieu, t'es beau, toi! Oh, hey, je te trouve tellement croquet! Oh, mon Dieu, on va pas voir l'ovule! Oh. Caresse dans son coin puis qu'elle sèche. Impuissant devant cette situation, Jean-Michel adopte une petite chinoise. Ting, 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 ting. Au Québec, 0.05% des couples adoptent 1300 petites chinoises par année. Considérant que les Chinois se reproduisent à un taux de 8,7 enfants par couple, ça veut dire que dans 43 ans, les Québécois d'origine asiatique vont compter pour 60% de la population québécoise. C'est donc dire que, d'ici peu de temps, le bonhomme carnaval va mesurer 4 pieds et va les hybrider. En 1997, Jean-Michel nous fait découvrir son personnage de Roto, un genre de weirdo qui se tient dans les centres d'achat. Moi, je comprends pas qu'il y ait tant de fuckés qui se tiennent dans les centres d'achat. Vas-tu magasiner à l'asile, moi? Le monde, ils disent que je chouchou parce que je me parle tout seul. S'ils m'entendent quand je parle, parce que pas tout seul. Moi, quand je viens au centre d'achat, je viens en bicycle. En bicycle à pédale. Mais 3 bicycles m'ont fait voler. Je suis né en bicycle aujourd'hui. Je me mettrais pas voler. Ben non. Mais ça a acheté un cadenas. Ça va mal, les hôpitaux, hein? Oui, ça va mal. Ils ferment des lits, hein? Ça fait mal. Hein? Surtout quand le patient est encore dedans. Moi, oui, je ris. Moi, parce que je me compte des jours, puis je ris. Mais je les ris pas toutes, il y en a que je connais. J'ai connu un backwash du cerveau, t'appelles. Un médecin, il dit que mon cerveau, il est comme dans le laveuse. À spin, il colle des barres. Moi, j'ai plein de bonnes idées là-dedans. Ah oui? J'avais trouvé une solution pour l'emploi au Québec, moi. Ah oui. En finissant l'école, chômage obligatoire pour tout le monde. Hein? Mais le gouvernement, il a volé mon idée. J'ai fait un cours au camelot dans le chez nous. J'ai payé 6 mois d'avance. Yes, tu n'es. Je suis même pas abonné. Je l'ai même pas changé, le chèque. C'est qui le cœur? C'est qui? C'est nos deux. Ah, c'est nos deux. Un an après la création de Rato, c'est le drame. Zoom in dramatique, s'il vous plaît. On accuse Jean-Michel Anctil de plagiat. Écoutez, il y a quelques années, je reçois un appel de quelqu'un qui dit « J'ai des confidences à vous faire au sujet de Jean-Michel Anctil. » Je dis « Bon, ben très bien, on se rencontre dans un endroit secret. » Le monsieur arrive et me dit « Écoutez, le personnage de Rato, c'est moi. Anctil s'est inspiré de moi pour créer son personnage. » Cet homme, c'est Gaétan Riendeau, un honnête citoyen qui passe le plus clair de son temps à errer dans les centres d'achat. Hyperactif de son état, il ne désire qu'une chose, vivre sa vie dans le confort de l'anonymat. Mais voilà que subitement, sa vie a basculé. Avez-vous déjà rencontré cet humoriste? Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, je connais certains, il me copie, oui!
Oui. Hey, le pape aussi me copie. Oui, 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 c'est comme moi. Il n'y a jamais eu d'activité sexuelle. Monsieur Anctil, Monsieur Anctil, reconnaissez-vous cet homme? Non, non, mais c'est parce que vous voyez pas, je suis aveugle, moi. Voyons, il est où mon chien guide, là? Voyons. Interrogé à plusieurs reprises, Jean-Michel a toujours été très vague sur l'origine de Rato. Ça a toujours été vague, l'origine de Rato. D'ailleurs, un autre pauvre type accuse Anctil de lui avoir volé son identité. Deux, trois fois, il m'a demandé des cassettes de moi. Il dit, oh, t'en as-tu plusieurs heures? Faut que je t'observe. Puis, à un moment donné, je trouvais ça louche, tu sais. Moi, j'ai un père. Elle m'a permis de faire une heure de show. Affaire Anctil, Peter McLeod réagit. Jean-Michel Anctil, c'est pas un copieur. C'est lui qui a créé le personnage de Peter McLeod. Avant, je m'appelais Jean-Roch Dumont. Merci, Jean-Michel. Je m'appelle Peter McLeod. À soir, on m'a demandé de pas sacrer. Qu'est-ce que vous voulez que je dise, tabarnak? Il y a peut-être le rire là, que j'ai moins. Là, t'sais. Oh, oh, oh. Un peu. Oh, oh, oh. Calé, man. Ça s'en vient. Bon, OK, c'est correct, là. Pour Rato, le monsieur, je vais le dédommager, là. Pour Martin et Matt, oubliez ça, hein. Je l'ai fait deux fois, là. Ça levait pas, ce personnage-là. Trop ridicule. En tout cas, merci, M. Arcand. À ça, pourriez-vous faire un reportage sur un dentiste qui fait mal sa job? Oui, j'en connais un. Celui de Gaston Lepage. Non, finalement, Gisèle, je vais prendre un verre de couc aux fraises. Et que ça saute, s'il vous plaît. Merci. Alors, c'est en 1996 que Jean-Michel fouille dans son vécu pour créer son personnage de gossou. Un genre d'alcoolique qui sent le fond de tonne, disons-le. Combien d'hommes ici ont trompé deux femmes? Levez la main! Gang d'hypocrites! Vous ne l'admettez même pas! Moi, je le dis. J'ai du courage. Mais dites-le pas à ma femme, par exemple. C'est la faute de ma secrétaire, Noémie. Elle m'a tendu un piège, la démone. Elle m'a regardé avec ses petits yeux, puis elle m'a dit, « Belle cravate, monsieur Desbiens! » Comment veux-tu qu'un homme reste indifférent à ça? Après ça, elle s'est approchée de moi, avec toutes ses seins qui me fixaient dans les yeux. Là, elle voulait qu'on fasse l'amour. Moi, j'étais tout nu. C'est difficile d'y cacher que ça me tentait pas. Elle a bien vu que je la pointais. Hey, on a fait ça partout sur mon bureau. J'ai encore des marques de trombone, j'ai fait. Puis je trouve plus ma brocheuse. On a même fait ça sa photocopieuse. J'ai fait des photocopies de mes fesses, puis je les ai faxées à Tokyo. C'était plus fort que moi. Il fallait que j'en parle à quelqu'un. Quoi? Le pire là-dedans, c'est qu'il y a des femmes qui savent qu'on est mariés puis ils couchent avec nous autres pareils. Ils ont plus de respect pour le mariage. Sivonac, la décadence des mœurs. Comme le disait si merveilleusement bien Confucius, les chiens sont fidèles. Alors pourquoi, lorsqu'un homme est infidèle, le traite-t-on de chien? Non, je sais pas ce que je fais dans le montage, je connais rien là-dedans. Parlez-moi d'autre chose. Hein? Dans la vie, Jean-Michel fait pas juste des niaiseries. Non, il en fait aussi. Est-ce qu'on peut parler à Jean-Michel? Ça tombe-tu bien? Ça tombe très bien. Écoute, on m'a dit que t'étais quelqu'un de très audacieux. On m'a dit que même dans le cadre de l'émission, t'es allé voir des motards. C'est pas moi qui s'est marié aux gens. Non, oui, ouais, je suis allé voir des motards. Oui, bonjour, est-ce que je suis au poste de police de Saint-Luc? Bon, j'appelle pour vous avertir, c'est qu'on va faire un tournage ce matin chez les Jokers. Mon nom, c'est Jean-Michel Anctil. On va faire un tournage pour juste pour rire.
Parce que Joker, juste pour rire, on veut savoir si, s'ils peuvent raconter des jokes. Non, ils sont pas au courant. Ça n'a pas été long. Non? Non, ça a été un beau 10 secondes. Ça a fait... Ils ont eu plus peur que toi ou quoi? Non, mais moi, j'étais quand même bien protégé. J'avais un plastron de baseball, un drapeau blanc puis un petit klaxon pom, 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 dans les poches. Fait que s'il arrive quelque chose, là, le gars avec le plastron de baseball, c'est moi. Fait que je suis le premier à sauver. Mon Dieu. Tu sais, même la police est inquiète qu'on aille là. Ça va prendre avant. Pas mal là. Ouais, c'est pas mal là. Oui, c'est pas mal là. Fait que c'est juste fait. C'est juste pour rire qu'ils nous envoient. Ah, on vient pour un tournage pour juste pour rire. Comment pour rire ailleurs? Non, parce qu'on s'est dit Jokers. Pour rire ailleurs. La caméra, t'es mal de fermer, toi. Rende la caméra parce que t'as pas propos. Ça a servi longtemps, le petit drapeau blanc. Et Game on tweet, elle sait que son plastron de baseball. Je vais juste aller faire chasser mes culottes pour faire pousser un peu. Parce qu'on avait prévu, c'était le klaxon, si on voulait qu'il nous raconte une joke, puis c'était pour censurer si jamais il y avait des sacres. Puis j'ai failli sortir juste quand j'ai débarqué du stock, parce que ça a fait un tabarnak. Explique-moi juste une chose, là. T'es allé voir un vrai motard avec un petit pop pop, et tu pensais qu'il te conterait une blague, puis tu ferais pendant qu'il dirait des choses qui passeraient pas en ondes. On a le droit de rêver. Si les meilleurs gags sont les plus courts, celui-là est à bon maudit. On n'est pas resté longtemps, mais si on avait voulu, on aurait pu rester. Il parlait même de nous passer des sacs de couchage. Du bon monde, ça. Alors là, c'est la pause et Santé Canada vous rappelle qu'une vessie normale vidangée autour de 17 heures pourrait commencer à monter des signes d'impatience. N'hésitez pas à la soulager. Puis là, écoutez votre corps, pas une sans faire, moi, vous dire quand l'épicer, franchement. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Hmm? Belle auto. T'as rien vu? J'ai jamais vu ça de la neige de même, moi. Steve! Ça, c'est de la tempête. Pourtant, il faisait beau à Montréal, me semble. Steve! Ouais, ben, c'est peut-être bien bon pour la planche, là, mais... Pas plus sûr qu'on va se rendre. Steve! Arrête de suivre la souffleuse! L'Auto-Québec est fier d'appuyer les artistes de la rue et d'offrir au grand public du festival Juste pour rire une occasion de rire pour rien. Les arts de la rue, l'Auto-Québec. Juste pour vous divertir. Plus d'un million d'enfants sont exposés à la fumée secondaire chaque jour. Vos enfants sont-ils visés? Un message du gouvernement du Canada. De Alpine à MFM CD à 14,38 par mois, taxes incluses. Aucun comptant, aucun frais, aucun intérêt pour deux ans. Du cinéma maison à deux ans sans intérêt, on en a plein la vue. Ensemble Sony Bose à 71,89 par mois, taxes incluses. Aucun comptant, aucun frais, aucun intérêt pour deux ans. Et en plus!
participer maintenant au concours Les 10 commandements et célébrer avec nous les interprètes de la distribution québécoise. À gagner une des 21 paires de billets. Appelez dès maintenant pour vous inscrire. Bonne chance! Ce mardi... J'ai comme une petite bosse sur le sein, j'aime pas ça. C'est peut-être le cancer du sein. Je veux bien croire que t'es plus maternel que moi, mais de là avoir un cancer du sein... Je suis à vous dans un instant, ma petite madame. Max Inc. Ce mardi, 19h30 à TVA. Ce dimanche, le monde se prépare à toute une surprise. Avec Belle Express Vue et TVA, vous subirez une onde de choc. Le tout nouveau Surprise Surprise, nouvelle victime. Mais il coupe en deux! Yes, mon petit nom. Nouveau complice. Le câble qu'on prend, c'est moi! Mais je suis pas assez connu pour ça! Le nouveau Surprise Surprise, ce dimanche dès 19h à TVA. Tout le monde sera sur la même longueur d'onde. Je suis à bout de la cheminée, je me vends, hein? Saviez-vous que Jean-Michel fait encore dans son costume de première communion? Un jour, j'ai demandé à ma mère pour avoir un chien. Elle m'a répondu, pas d'affaire d'avoir de chien dans la maison. Un chien, ça couraille partout, ça jappe, ça perd ses poils, ça pisse à terre. On achète ton père. Non, mon médecin, c'est un joker. Hey, une fois, je suis allé le voir à l'urgence pour y faire un gag. J'ai fait à croire que j'avais la varicelle. J'ai attendu 12 heures. Je l'ai jamais vu. C'est le fun parce que Jean-Michel, des fois, il donne des billets pour son spectacle, puis moi, ben, je les échange pour des billets de Mario Jean. Et lui, il est drôle. Moi, je le trouve drôle, là, le cogné, tellement bon. Ah ben, merci, ça me fait plaisir, mais Yvon Deschamps est bon aussi. Claude Meunier aussi est bon. Moi, c'est Dominique Michel. Elle, c'est une grande dame. Hey, excusez, c'est moi, parce que... c'est Jean Chrétien. Ah non, moi, c'est Michel Barrette. Ah oui. Merci, Pete. Toi, déjà. Pas de problème. Fait plaisir, mon vieux. Non, c'est hey, ça, vraiment. Je suis posé comique. C'est parce que c'est ma comicographie. Un bout à tout. En 1998, Jean-Michel lance son premier spectacle et nous présente son personnage de grand-père. Bon, là, c'est sûr, j'ai pas de joke, là, mais il y en a plein dans le numéro qui suit. Maman, maman. J'ai ma fille. Elle est innocente. Hey, pendant que t'es là, je voulais te dire. Tu sais le cadeau que m'avait fait à ma fête, là? Le chat. Ah ben, je l'ai plus. Mais non, il s'est pas sauvé. Il est mort. Ben, c'est parce qu'un matin, en me levant, je suis endormi. En enfilant mes pantoufles, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de béret. Ouais. Ouais, ben, j'ai même vu qu'il y avait un pied qui me tirait vers la litière, là, mais... Ça va être pas drôle, tout graffiner le pralard dans la cuisine. T'avais que si jamais tu vas au pet shop, moins sûr d'avoir un autre chat. D'avoir fait des pantoufles pareil. Ouais. Et non, c'est un bouilloire, là, qui bouille, le petit. Ouais, j'ai fait une tisane. Voilà, il a débranché, là, je pense qu'il n'y a plus d'eau, là. Non, fume plus. Arrêtez ça, fume plus. Fume pas de cigarette. Non, fume du pot, là, hein? Ah, ben oui, je pars sur un trip d'essayer tout avant de mourir, là. Hier, comme hier, là, je t'allais faire du bungee par les gosses. Ouais. Ah, oui. Ah, puis là, on va pas loin, je te laisse, là, parce qu'à soir, je m'envoie des bars gays. Ouais. Oui, je te niaise, innocent. J'irai pas deux soirs de suite, certain. Procurez-vous la bouilloire Jean-Michel Antille. Elle rit quand ça boue. Je vous la recommande beaucoup. Chez nous, on avait une horloge grand-père. Mais j'ai une horloge grand-père parce que pour lui, compter une minute, ça y prenait une heure. Puis il faisait foufou, foufou. Parce qu'il pouvait pas dire coucou, il y avait pas dedans. Achetez la bouilloire Antille et recevez gratuitement cette magnifique horloge grand-père. Foufou. Foufou, et 2 heures, fou, et 5. Jean-Michel, c'est un gars très vite en entrevue. Et seule fois où il y a de la misère, c'est quand il est pogné entre soit niaiser, soit défendre l'honneur de sa blonde. Là, il y a de la misère. Qu'est-ce qui
préoccupe aussi cette lancée en humour? Le besoin de divertir une population de plus en plus triste ou parce que ton chômage était fini? Non, de divertir une population qui est sous chômage. Excellent. Te sens-tu souvent de l'humour pour passer des messages ou tu t'en sers plus pour causer des bars? Ben, pour ma blonde, je veux dire pour passer des messages. Okay. Là, elle est partie aux toilettes, fait que c'est quoi la vraie réponse? Pour passer des messages. Okay. Ça va passer à la TV, ça? Non, de toute façon, cette blonde-là est frigide. Toi, tu faisais un autre, franchement. Ça n'a pas de problème avec ça. Pas que je l'ai essayé, mais on est plusieurs, on est plusieurs collègues qui sont sortis un soir, puis tu vois, la blonde en cuir, c'est pas terrible. Hey, je ris pas de ça, ce qu'il vient de dire, là. Je ris d'une joke de tantôt. Ok, ouais, c'est ça. Tu sais ce que j'en pense, tu sais, ta blonde frigide. Aucun, on sent que cette femme-là n'aime pas le... Arrête! C'est la dent de Jean-Michel, je sais pas ce qu'elle a, mais on l'appelle, nous autres, le Mr. Freeze de l'amour, sa blonde. Tu sais pas ce qu'elle a, tu sais, elle dégage comme pas beaucoup de sensualité. Personnellement, je préférerais embrasser un 2x4 que coucher avec ta blonde. Mais ce sont des choses qui arrivent. Et c'est Jean-Michel qui m'a conté tout ça et il annonce mes propos à sa photo. Non. Merci Jean-Michel. À 80, mais pas ça. En 1999, le personnage du gossou revient faire un hit au Saint-Denis. Malheureusement, il avait toujours pas des souliers. Ma femme m'a laissé. Mais je devrais plutôt dire m'a quitté parce qu'elle m'a rien laissé. Parce que je l'ai trompé. Une petite niaiserie, puis elle me quitte. Hey, je l'ai-tu quitté, moi, quand elle a noyé le moteur de ma souffleuse? Non. Parce que j'ai appris à pardonner, moi. Je suis un homme. Hey, moi, j'ai eu l'honnêteté de lui avouer, puis elle a même pas eu l'humilité de me remercier. Mais là, on dit rien. Ils sont toutes pareilles, les femmes. Elle veut qu'il y ait plus de communication dans le couple, mais depuis que j'y ai dit, elle me parle plus. Moi, dans le fond, tout ce que j'ai cherché à faire, c'est tester notre couple pour voir s'il était fort. Mais il faut croire qu'il y avait une faiblesse. Puis cette faiblesse-là, ben, est partie. Calmez-vous les faiblesses, là. Non. Si c'est pas ma faute, j'étais sous. Puis il y a une femme qui a profité de la situation. Mais ça, ma femme ne comprend pas. Non. C'est pour ça qu'il y a plein de livres là, qui écrivent sur les hommes pour que les femmes nous comprennent. Tu sais, les livres de style... Apprivoiser, c'est lui qui pisse debout. Le pénis, c'est inconnu. Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de temps en temps. Hey, tout ça, là, ça a éclaté quand je suis arrivé à la maison. Ma femme s'est mise à paniquer juste parce que j'avais un peu de rouge à lèvres sur le rebord de ma fermeture éclair. Moi, j'ai dit, voyons, ma puce, fâche-toi pas. Ça va partir au lavage. C'est la meilleure pour faire partir les taches. Elle m'a dit qu'elle avait besoin de réfléchir puis que je devais en faire autant. Puis elle est partie. Mais juste pour te montrer comment qu'elle pense juste à elle, elle est partie sans même me dire à quoi fallait que je réfléchisse. Ben, tu as remarqué, quand les femmes nous laissent, là, eh ben, elles partent souvent avec ce qu'on met par-dessus les meubles, là. Là voyons, comment t'appelles ça, là? La maison. L'alcool puis les autres drogues, Jean-Michel, il n'y a pas besoin de ça pour avoir du fun, t'sais. C'est la fille qui est avec lui qui en a besoin pour se sentir cochonne, par exemple. Après la pause, Jean-Michel nous explique qu'il s'est fait élever par une famille de dindons sauvages. Ben, c'est que ça l'a niaisé, mais il a failli se ramasser sur votre table en Noël 79. De retour après le drink.
Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Bonsoir. Des funérailles très particulières à Montréal pour un peintre génial, Jean-Paul Riotel. Et à Laval, ce matin, devant 300 personnes, on portait aussi en terre Yves Albert, cette innocente victime de la guerre des motards. Salta, 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 salta. Me muevo en la disco, no puedo parar. Con este ritmo loco, no paro de saltar. Por eso te digo, la marcha sigue igual. Il salta, quand on croque, on craque. Les Smiles. Un extérieur croustillant et de la purée de pommes de terre à l'intérieur. De McCain. Hey Alex, c'est à mon tour de jouer après, OK? C'est moi après. ZDW de conception européenne. Une tenue de route impeccable pour les moments remarquables. René, c'est incroyable. Avant fermeture chez Beau Jeans en gros connaît un tel succès qu'on a décidé de la poursuivre pour quelques jours encore. Et on a de nombreux spéciaux pour en profiter pour hommes, pour femmes et pour les adolescents également. Et du choix, en voulez-vous? Il y en a. Et c'est vrai, Hélène, j'ai fait le tour, il y a encore du choix. Il y a encore beaucoup de spéciaux. Il y a des vêtements à 15 $, 10 $ et 5 $ seulement. C'est presque donné, mais c'est pour quelques jours seulement. La vente fermeture Beau Jeans en gros, Rimouski, Matane et Sept-Îles. Et le centre commercial La Flèche ainsi que les galeries Bécomo. Aucun content, aucun frais, aucun intérêt pour 2 ans. Des télé à 2 ans sans intérêt, on en a plein les murs. Écran géant de Sony à 191,71 par mois, taxes incluses. Aucun comptant, aucun frais, aucun intérêt pour 2 ans. Des caméras vidéo? Silence, on tourne. Caméra Sony Hi-8 à 28,76 par mois, taxes incluses. Aucun comptant, aucun frais, aucun intérêt pour 2 ans. Équipé pour divertir. Ce mardi 20h. Ton croissant plein de beurre pis d'œufs, là. Je veux pas ça chez nous. Out! Et à 20h30. La classe moyenne. Ben voyons donc. C'est juste des pauvres qui ont plafonné. Histoire de filles et kilomètre heure. Ce mardi dès 20h. En 1999, Jean-Michel lance son deuxième spectacle et le personnage de Rato fait fureur lors du 5e gala Juste pour rire. Rato, il est tellement légume, quand il reste trop longtemps dans la piscine, il se met à germer. Quand je pense que Jean-Michel Orgidmo permet des années parce que je faisais un personnage pas dedans. Au niveau dentition, t'as pas de conseils à donner, hein? Oui, j'étais à l'autobus, oui, parce que je veux faire le tour du monde. C'est trop près de Ritalin, moi. Moi, dans mon tour du monde, là, je vais aller en Angleterre. As-tu vu ça en Angleterre? Ils sont en train de construire un autre Titanic. Mais tu gagnes de malade. Ils construisent un autre Titanic. Oh, Titanic! Mais qui c'est qui va embarquer là-dessus? J'ai su qu'on n'a pas vu le film. C'est qui cave? Puis je vais aller en Inde aussi. Ah oui, ah oui, ah oui.
En Inde, là, je vais aller voir les vaches sacrées. Il paraît les vaches, là-bas, tu leur donnes un coup de pied dans le cul, ils disent « Mounesti ». Hein? C'est qui le cave, hein? Moi, là. Tu sais s'il fait une sieste? Ah oui! Je vais aller dans les pays d'Amérique du Sud aussi. Ah oui, tchique-bon-bon, tchique-bon-bon. Mais là-bas, il faut pas que t'embrasses les filles. Oh non, non, non. Si t'embrasses les filles là-bas, là, la langue te pique. Oui, 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 oui. Parce que tu peux manger épicé, hein? Oui. Mais moi, je suis pas capable de faire les deux en même temps. Tu peux manger épicé. T'as pris du temps, celle-là, hein? C'est qui le cas? Oui, oui, puis DJ Lo non plus, il faut pas manger ça. Oh non, 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 non. DJ Lo, ça rend malade. Tu remarques quoi, dans les hôpitaux, ils mangent tout DJ Lo. Moi, j'ai déjà monté l'Everest, moi. Ah oh, oui, ah oh, oui, ah oh. Deux fois. La deuxième fois, c'est parce que j'ai oublié ma tuque en haut. Il pognait le méchant rhume du cerveau. Si, j'aurais pu rester marqué. En terminant, Jean-Michel nous a confié qu'il travaillait sur son nouveau spectacle, dont voici un extrait. Bonsoir. Puis ça, c'est rien, hein? La deuxième partie est encore plus haute. Oh boy! Ça fait saliver, ça, monsieur. Merci, Gisèle. Merci, Gisèle! Alors, c'est tout pour cette comicographie. Merci à Jean-Michel Anctil, un humoriste pas mal winner. Et le ou la gagnante est... Jean-Michel Anctil! Hey, on a fait bien des farces, là. Mais, moi, te le dire, je t'aime bien. Parce que t'es un bon gars. Juste un plein de bon gars. Je suis tout le temps content quand je te rencontre. J'ai du fun avec toi. Je ris beaucoup. C'est ça. C'est vrai. Puis c'est ça que je voulais te dire. Ben, regarde, à toi et fois, là, il est bien meilleur que moi au golf. Puis j'aime ça pareil jouer avec. Sérieusement, Jean-Michel, ça me fait beaucoup rire. Des journées que j'ai passées avec toi, Jean-Michel, à discuter, à déconner, ça va être des moments qui vont rester longtemps ici. Bonne chance. Salut, mon chum. C'est la première fois que je gagne quelque chose. Je me rappelle, au primaire, il y avait un concours qui s'appelait Sagix. C'était un bingo avec des affaires de sécurité routière. Dans ma classe, on était 18. Il y en a 17 qui ont gagné. Moi, je comprends pas ça qu'il y ait autant de fuckings que ça Je vague sur l'origine de l'industrie du plateau. 5% dick. Je rentre tellement dans la peau d'une femme que je suis plus capable d'avoir un raisonnement logique. Puis des fois, je me sens pas fraîche. Puis des fois, je me sens pas fraîche. Puis je me sens pas fraîche. Non! T'es fin, t'es généreux, t'es... Oh, mange de la merde. Non, non, je vais recommencer. Hey, je vous la recommande. Elle va tomber. Allô? C'est ma sœur. Je suis pas fertile. Sois capable! Juste une affaire, je vais mettre au clair. Je suis très fertile. C'est pas vrai. C'est un sketch. C'est de l'humour. C'est des bières. Mais j'ai pas de pénis. Hey, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Ben, c'est le point final.